Bonjour à tous, aujourd'hui petite vidéo très rapide pour vous faire 2-3 petites annonces, enfin plutôt une en particulier, parce que dans quelques jours je vais parler avec Mathieu, mon grand frère, qui est donc l'auteur du roman La Gélule Rouge, le tome 1, le tome 2. Et en ce moment, vous l'avez vu sur la chaîne, je suis en train de faire les illustrations de ce livre, et j'aimerais bien savoir quelles seraient vos questions à lui poser en tant qu'auteur de livre, en tant que moi illustrateur, la relation entre les deux, qu'est-ce qui vous intéresserait de savoir par rapport à la création du roman illustré qu'est La Gélule Rouge et qui arrivera, si je me trompe pas, le 3 septembre via une autopublication qu'on fait sur Amazon. On vous parlera de ça si vous avez envie de savoir des choses. J'avais déjà fait l'année dernière, au moment de la sortie du premier tome, une interview, même deux, donc une à la sortie du premier livre et une durant l'écriture du second. Donc il y a certainement déjà pas mal de réponses aux questions que vous allez pouvoir poser dans ces deux vidéos là, mais voilà, j'aimerais bien avoir le maximum de questions concernant l'illustration, l'écriture d'un roman. Ça c'est la première chose pour une vidéo qui sera la prochaine après celle-ci. Et la deuxième chose dont je voudrais un petit peu parler maintenant, c'est que ça fait à peu près 3 ans, même carrément 3 ans, que je fais des vidéos régulièrement sur la chaîne. Si vous regardez sur la page, je suis sur YouTube depuis à peu près 2010, mais j'ai commencé à faire des vidéos au moins une fois par semaine depuis à peu près juillet 2015. Donc ça fait 3 ans que je fais de la vidéo, ça fait à peu près 500-600 vidéos, je saurais même pas vous le dire. Ça doit être noté quelque part. Mais en tout cas, ça fait que je me pose des questions en ce moment, j'ai une sorte de phase de doute, ou plutôt une phase de qu'est-ce qu'on fait après. Je me demande si je dois avoir un plan pour les futures vidéos, si je dois simplement faire les choses à l'intuition, si je dois continuer comme je fais d'habitude, si je dois changer complètement de cap et de direction. Donc là, c'est pas vraiment des questions que je vous pose, hein, c'est juste des questions que je me pose à moi, qu'est-ce que je vais faire en fait en termes de vidéos, qu'est-ce que ça va devenir, quel va être l'intérêt de la chaîne. Je parle autant de l'intérêt de la chaîne dans le sens qu'est-ce que ça va vous apporter en termes de contenu, est-ce que je veux faire du contenu très régulier, super divertissant, ou est-ce que je veux faire quelque chose de plus travaillé, de plus réfléchi, qui soit plus honnête. Je pense que c'est ce que j'ai envie de faire en fait, quelque chose de plus sincère, de plus honnête, de plus simple. Je pense déjà être pas mal dans la simplicité dans les vidéos, mais peut-être faire encore mieux. Je suis en train d'y réfléchir. Si vous avez quelques pistes, quelques idées, quelques remarques par rapport à la chaîne en elle-même, ça pourrait m'intéresser de savoir ce que vous en pensez, évidemment. Et c'était simplement pour vous dire que je suis sur une sorte d'introspection par rapport à pas mal de choses, mais aussi par rapport à la chaîne, quelle place ça prend dans ma vie, dans mes journées, bref, beaucoup de choses. Voilà, je m'arrête là parce qu'il faut que je rallume le ventilo, que je réouvre les fenêtres, sinon je vais littéralement mourir. Je pense qu'il fait genre 27-28 degrés dans cette pièce, donc c'est... Mathieu et moi, on attend vos questions dans les commentaires par rapport à cette discussion qui va arriver d'ici quelques jours. Et de mon côté, ben, je vous laisse tranquille, hein, je vais pas vous prendre plus de temps dans vos vacances. Je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo, et d'ici là, comme d'habitude, créez vos images et racontez vos histoires. Thank you.